que la France, 5ème puissance mondiale. Et soi-disant, y'a pas d'argent dans les caisses. Y'a comme un problème, non? Tu vois ce que je veux dire? Chaque année au Bourget, la France accueille des marchands d'avions de guerre. Pas de quoi être fier. Les budgets militaires pourraient nourrir la terre entière. J'ai le même reproche à faire pour certains budgets scientifiques. La conquête de l'espace est stratégique. S'ils trouvent de l'eau sur Mars, ils n'arroseront pas l'Afrique. Examiner Jupiter, je vais pas dire que c'est pas bien. Mais ce n'est pas prioritaire quand on sait combien de gens ont faim. Restaurer un musée, je vais pas dire que c'est mal. La culture est primordiale, je dirais même fondamentale. Mais quand des événements culturels sont prétexte à des cocktails, je mettrai au premier plan l'urgence médico-sociale. 14 juillet, fête nationale. Combien d'euros explosent dans le ciel? Lors des campagnes électorales, à combien s'élèvent les budgets promotionnels? À combien? Avec cet argent, on pourrait donner l'essentiel à ceux qui dorment par terre, été comme hiver, et qui n'ont pour seul repas que ceux de la soupe populaire. ATD Carmonde, les petits frères des pauvres, les restos du cœur, luttent chaque jour contre la misère. J'estime qu'il récupère le travail que l'État devrait faire. Combien de personnes sont sous le seuil de précarité? À quand un vrai ministère des solidarités? Un minimum pour tous, c'est ça la priorité. Combien de personnes sont sous le seuil de précarité? À quand un vrai ministère des solidarités? Un minimum pour tous, c'est ça la priorité. Combien de personnes sont sous le seuil de précarité? À quand un vrai ministère des solidarités? Un minimum pour tous, c'est ça la priorité. Comment un homme peut-il vivre sans le minimum? Quand il ne l'a pas, selon moi, faut qu'on lui donne. Quand le froid sévit ou quand le soleil cogne, des gendarmes dans les rues du pays, inventeurs des droits de l'homme.